Salut, je m'appelle Dajla, je suis artiste, chanteuse, auteure-compositrice et j'ai un programme d'éducation musicale pour promouvoir l'apprentissage et la formation de la musique et de la production musicale aux enfants, aux adolescents et aux jeunes dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est vraiment très spécial pour moi parce que je suis au Sénégal, à Sali Mbour. C'est une région que j'adore et bien sûr la Teranga du Sénégal. Et je travaille avec une équipe depuis un an qui s'appelle le Studio 108. Et tous les trois, on part demain enregistrer les enfants du pensionnat de Saint-Do dans le village de Niaganiao. On va écrire une chanson, on va l'enregistrer, on amène le studio là-bas. Et on va aussi leur amener deux super guitares qui sont un cadeau des élèves du lycée Alcide d'Orbigny de la ville de Bouaye avec laquelle je travaille. Et je pense que les enfants vont être vraiment super contents. Voilà, je vous invite à nous suivre. On part, alors venez avec nous. Bienvenue à Niaganiao, au pensionnat Saint-Do, pour notre grande famille. Voici Elisabeth Bazin, qui est directrice présidente de l'association Saint-Do Solidarité. Elisabeth Bazin, president of the Saint-Do Solidarity Association. They built this beautiful boarding school and take care of the children here, 23 children, including Ablaye. Vous jouez comme ça, et quand je bouge, ok? Super, allez. Qu'est-ce qu'on leur dit alors aux lycéens du lycée là-bas à l'Alcide? On leur dit? Merci! 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 Le refrain, il y a la partie française et la partie anglaise. À la fin de la partie française, on va dire en Wolof. Donc on a français, Wolof, anglais. Bienvenue à Saint-Do, le pensionnat de Niaganiao. Notre sol natal, c'est le Sénégal. Ainsi les Sidjama. Bienvenue à Saint-Do, le pensionnat de Niaganiao. Notre sol. Believe.